Bon, tu me diras quand c'est à moi. Ah, ça y est, ça tourne déjà. Bonjour. Eh ben aujourd'hui c'est dimanche et comme tous les dimanches je cuisine et alors je suis encore plus excitée aujourd'hui parce que en déménageant la cave de mes grands-parents hier, je suis tombée sur le grimoire de l'arrière grand-maman. Maman Mikui. Et maman Mikui, il faut que je vous montre, j'ai mis son portrait dans la cuisine. Là, le portrait de mamie Mikui. Elle est belle, hein, on connaît sa cuillère que j'ai gardée précieusement. Et puis son fouet dont il paraît qu'elle usait d'une façon un peu coquine des fois. Ma grand-mère était une grande cuisinière et elle était très attachée à la préservation de l'authenticité des recettes. Alors son grimoire nous est d'autant plus précieux qu'elle y a recensé toutes les recettes de la cuisine niçoise. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que c'est elle qui est à l'origine de la vraie recette de la salade niçoise. À la fraise, oui messieurs, dames, à la fraise, parce qu'il n'y a jamais eu d'artichaut dans la salade niçoise. Alors comme aujourd'hui, nous sommes dimanche, que nous cuisinons, rendons à Félicie ce qui est à Félicie, et nous allons faire ensemble cette magnifique recette de salade niçoise à la fraise, la vraie salade authentique. Je prends le grimoire. Alors. Voilà. Salade niçoise. Alors, il nous faut donc des olives, du mesclun, du céleri, et des fraises, bien sûr, des fraises. Ah, il y a une petite note. Ah, je l'avais déjà notée, se référer. Hop. Alors, voilà. On choisira des fraises de carrosse pour sûr, mais point trop sans faux pour profiter de tous leurs bienfaits. Garder le teint frais, repousser les crobes entiers et garder son Jules. Tiens, je ne savais pas que grand-papy s'appelait Jules. Surtout, on respectera la saison de fin mars à début juin. En dehors de ce temps-là, servir une salade niçoise à la fraise, c'est vraiment bananer son hôte. Ah, sacré mamie, va. Bon, allez hop, du coup, plus de temps à perdre, je file au marché. Prends mon petit sac et on se retrouve tout à l'heure. À tout de suite. Là, je pense que j'ai tout. Hein. Donc ça, voilà, le mesclun. Belle assiette de mesclun. Ensuite, qu'est-ce que j'ai là? Ben voilà, un beau pot de basilic, là, très parfumé. Le petit poivron vert pour la salade. La cébette. Le céleri. Tout frais, bien frais. Voyons. Ah, j'adore. Les petits radis, bien longs. Ma tête d'ail. Voilà. Et bien sûr, l'indispensable pour la salade niçoise à la fraise, mais c'est la fraise. Voilà, c'est les toutes premières. Hein. Je les ai eues vraiment parce que je suis mi-cuit. Hein. Donc, sous le manteau, on a fait ça ce matin hein, avec le producteur du marché de la Libération. Voilà, mais vous le direz à personne. Hein. Voilà, donc les fraises. Et eh ben, tout est là. Donc maintenant, nous allons pouvoir procéder à la fabrication. Allez, on y va? On prépare tout ça. A tout de suite. Bah moi je sais pas vous mais moi je suis drôlement émue hein, parce que là c'est faire la recette de la salade niçoise à la fraise de mamie Mikui. J'ai presque la larme à l'œil hein, en fait. Bon allez on y va, c'est parti. Alors voilà, frottez votre assiette avec l'ail puis posez le mesclun. Bon alors ça c'est fait, le mesclun c'est fait, j'ai déjà fait. Hein? Alors. Les quartiers de tomates. Donc j'avais tout préparé, hein, parce que comme ça c'était plus facile. Quartier de tomates. Celui-là il s'est paré. Tiens. Céleri coupé. Ça ressemble à des chenilles ce truc. C'est vraiment dégueulasse. Un petit peu. Voilà, hop. Un petit peu. Je ne sais plus où j'en suis. Je suis distraite. Je suis encore émue. Voilà. Alors, le poivron. Là, c'est bête. Allez. C'est bête un petit peu. Une petite poignée. C'est bête. C'est bête, une c'est bête. Je ne sais pas pourquoi on appelle des noms comme ça. Voilà. Un petit peu. Du thon. Du thon à l'huile. Allez, on y va. Thon à l'huile. Bon, moi, j'ai envie de tout mettre à gauche. Ça va, allez. Mamie, mi-cuit. Ouais. Ok. Sacrée mamie, va.
Voilà. Ciseler les feuilles de basilic. Ah ben voilà. Regardez. On va directement à la source. Parce qu'évidemment, tout le monde a chez soi un bouquet de basilic. Hein. En pot. Facile. Hop. Donc. Attention. Attention les doigts hein, quand vous coupez le basilic. Ok. Hop. On y va. Mamie. Voilà. Ciselé. Chaque fois que je fais ça, ça me fait penser au thé de chai, moi. Hop. Voilà. Ensuite, quelques olives niçoises, variété caïtier. Bon, ok. C'est ça. On y va. Pas mal. Ok. Un petit peu de radis. Un petit peu de radis. Voilà. Bon, puis finalement, on tout. Hop. Il faut être fou, on se lâche. Hein. Ensuite, ouais, les anchois. Les anchois. C'est juste avant d'aller. En train de votre amoureux. Hein. Bravo. En fait, il faut être deux à en manger. C'est mieux. Voilà. Alors, il nous reste de l'œuf. L'œuf, le coco. Putain, mais les olives, là, qu'est-ce qu'elles font? Putain, on se croit à l'OGC Nice, là, veulent tous avoir le ballon. Bon, ensuite, qu'est-ce qui reste? Un petit peu d'huile. Huile d'olive. Vous suivez? Hein? Alors, évidemment, une bonne huile d'olive niçoise. Hein? On est généreux. Un petit peu de poivre. Celui-là, il doit dater de l'époque de Mamie Mikui. Hein? Bon, on laisse tomber. Et la cerise sur le gâteau, vous l'attendez tous. Hein? C'est la fraise. Alors, la fraise, regardez ça. Ça a l'air pas mal. Hein? pas mal. Bon. Ça, c'est deux belles fraises. Et ah mais il faut que je les coupe. Je les coupe. Bon, mais il faut un autre couteau. Ah voilà. Vous en pensez quoi? Hop, un souvenir de Mamie Mikui aussi. En plus c'est peut-être un peu gros, mais bon, on va essayer de se débrouiller à faire avec. Hein. Et hop. Oh là là, ça s'enfonce comme dans du beurre. Un petit peu. Donc des petits quartiers, hein, voilà, que vous disposez ensuite sur votre salade. Voilà. Après, vous pouvez aussi disposer des salades. Voilà. Puis Mimi Mikui, je savais qu'elle était généreuse. Bon, bah un petit peu de sel. Et voilà. Je suis très très heureuse aujourd'hui de vous présenter la recette de la vraie salade niçoise à la fraise créée par ma grand-mère Mamie Mikui. C'est appétissant quand même. Hein? Quand je pense qu'aujourd'hui, maintenant, les gens y mettent de l'artichaut à la place de la fraise. Ben, tout ça, c'est la faute à Georges. Georges, c'était le mari de Marinette, la grande copine de Mamie Mikui. En fait, elle l'avait envoyé... C'était midi, elle n'avait pas envie d'aller faire les courses, donc elle a envoyé son mari au potager chercher les fraises. Elle lui a dit « Fais attention, il fait archi chaud, mets ta casquette. » Pour ça, le pauvre, le temps qu'il aille jusqu'au potager, bah, il s'est pris une insolation. Et puis, il ne se rappelait plus trop. Quoi. Il a dit « Ça m'a dit quoi, juste ?»« Il fait chaud, artichaut. » Artichaut, elle veut des artichauts. Et en fait, il a ramené des artichauts. Quoi. Alors, Marinette, elle s'en fichait un peu, elle, de la recette. Voilà. Et donc, elle a fait avec. Et la coquine. Non, je ne sais pas si je vais vous le raconter, en fait. Ben, ce jour-là, elle a compris ce que disaient les marchands ambulants qui disaient « Artichaut, artichaut, pour échauffer l'âme, échauffer le cul !» Et voilà, et donc elle a donné le message à tout le village et tout le monde s'est mis à remplacer l'artichaut par la fraise.
Non, la fraise par artichaut. Bon, bah voilà, c'est dommage, hein. C'est comme ça que se perdent les bonnes recettes. Enfin, de toute façon, là, vous savez tout maintenant. Et je vous propose de passer à la dégustation directement. On y va? Voilà, mes amis, le grand moment. Vous avez vu que je débarrassais la table. Parce que vous allez assister à une première, la remise au goût du jour de la vraie recette de la salade niçoise à la fraise de Mamie Mikui. On y va? On y va? Waouh, putain, c'est à tomber par terre. C'est génial. C'est goûteux, c'est bon, c'est savoureux, c'est juteux. À la fraise, ça fait tout. Hein. Mais la fraise, ça fait tout. On peut plus s'en passer de ça. Bon, on pourrait pas avoir des feux d'artifice là pour célébrer ça là, Mamie Mikui. Oh, Mamie. Bon, c'est ma mamie à moi, hein. Mamie Mikui. On reprendrait bien une petite deuxième, non? Hein? Que je voulais en penser. Alors voilà l'instant crucial. Vous avez vu, j'ai débarrassé tout le plan de travail là. Waouh. Bon, on y va? Parce que quand même, la remise au goût du jour de la salade niçoise à la fraise, c'est pas tous les jours, hein. Alors, bonne bouchée, là. Ça sent bon. Ça a l'air vraiment appétissant. Un petit peu de tout. Ah, ah, mais c'est dégueulasse. C'est quoi ce truc? Mais ça n'a pas de goût. C'est... Bah, mais c'est... Mais ma Mimiku, t'as fait n'importe quoi, hein. Et... Je me suis fait avoir comme une bleue. Bah pour Mikui, c'est vraiment le comble du comble, hein. Ouais, Mamie Mikui, hein. Bah tu vas retourner à la cave, moi je te le dis, et vite fait avec ton grimoire, hein. Non mais n'importe quoi, hein. C'était vraiment dégueulasse. Bon bah alors la morale de cette histoire, c'est quoi finalement? C'est que vous allez devoir aller manger une bonne salade niçoise chez les bons restaurateurs niçois, dont vous retrouverez toutes les adresses évidemment sur le site mikui.fr. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur notre chaîne YouTube en vous abonnant là ou là. Ou là, enfin je sais plus, enfin là ou là, enfin vous cliquez, l'important c'est que vous vous abonniez. Et vous pouvez aussi nous suivre sur le blog mikui.fr, la page Facebook Mikui by Anne Salé et Instagram Mikui06. À très très vite.